away, try and get aggressive. He's totally f***ed me up. It's up to you whether or not you want to hit me or whether you want to back off. Just keep your cool, buddy, all right? Everybody's got the same problem as you. Stay calm, okay? Stay cool, okay? Je suis Paul Dargy, je suis le pilote de la voiture 35 et Honda Civic SI. Disons que c'est un gros rêve d'enfant que j'ai de piloter une voiture de course. Ça a toujours été dans les gènes dans moi, toujours été dans les mœurs. Et un gros rêve d'enfance finalement de piloter une voiture de course. Le but premier là-dedans, c'est essentiellement pour m'amuser. C'est essentiellement pour avoir du plaisir. Quand que je viens dans des événements de course comme ici à Trois-Rivières, ou Mossport, ou iCar, ou ces endroits-là, j'en fais aussi un événement familial. J'en profite pour me déplacer avec mes amis, avec ma famille. Puis on en fait un beau week-end. Là, que je finisse 12e ou 10e, puis j'ai eu la chance de me battre avec d'autres pilotes, je sors de là totalement satisfait si j'ai eu une course intéressante avec d'autres voitures. Et quand je finis mon week-end, bien c'est pour moi... dans le fond, je me sers un peu de ce sport-là pour sortir le stress que j'ai au quotidien de par mon travail. Et juste ça, là, le fait de me battre avec d'autres voitures, je sors d'un week-end là, totalement libéré de mon stress puis totalement accompli. Le moteur, il vient de péter pendant les pratiques. Il vient tout juste de sauter sur le crank. Là, on n'a pas le choix, il faut mettre un moteur de remplacement. Vu qu'on aimerait ça être là pour les qualifications, je le souhaite vraiment. Être capable de se qualifier. Si on n'a pas le temps, au moins on va être prêt pour la course de ce soir. Puis, de toute façon, on va essayer de travailler fort pour que tout fonctionne bien et que ça fonctionne. Là. Le fait que mon moteur saute ce matin, là, durant la pratique, ça va quand même arriver si ça devait arriver au bon moment. Ce moteur-là avait quand même un certain âge. Donc, c'est arrivé ici à Trois-Rivières, pas loin du garage où est-ce qu'on travaille sur l'auto. Et on semble, d'après moi, on va avoir quand même suffisamment de temps pour que l'auto soit prête tantôt pour la qualif. Fait que non, je suis pas stressé, puis ça va très bien. Je suis pas mal certain d'être là présent pour la qualification, puis de réussir à avoir des bons temps, puis de m'amuser. Ouais! Après, il est moins rapide, c'est mécano. On va le voir sans track, plus. On va le voir, ça va. Ça va bien avec les boys. Hein. Ça va bien été? Ah oui? Ça va bien été? Maintenant, ben, on va aller se préparer parce qu'on va faire, la qualification. Parce que je pense qu'on, comme je vous ai dit tantôt, que mes mécaniciens livraient toujours la marchandise. On a l'auto ici à 30 minutes avant la qualification. Et merci d'aller me préparer et aller avoir des belles performances à la piste. Merci, journée, merci même beaucoup. Good job, Paul, good job. Alors, on continue, lâche pas. Bon, ça, c'est ton meilleur tour à date. Le moteur va super bien. On n'a pas de problème, ça chauffe pas. L'huile est correcte. Il y a des bonnes sensations dans le véhicule. La suspension allait bien ce matin. Elle va toujours bien. On a gardé le même setup qu'un matin. Puis, j'ai bien confiance qu'on ait des belles qualifications. Paul happy. Johnny is very happy. Oui, it's very fun. It's very fun, but it's very hard, you know, in the car. C'est vraiment une grosse thérapie. Tantôt, je vous disais que quand on court sur une piste de course, dans mon livre à moi, c'est pour un peu enlever le stress du quotidien, le stress du travail. Mais quand je viens courir ici dans ma propre ville, c'est vraiment, comme on dirait, la cerise sur le sundae, là. C'est vraiment, tout le monde vient me voir, parents et amis. Et c'est ma piste, ça fait quand même la 7e année que je cours ici. Je la connais par cœur. Fait que c'est vraiment terrifique là, de courir ici. Do you get nervous before race? Oh, a little bit. It's not mal to be nervous. In French, we said anxieux. Très anxieux d'embarquer sur la piste. Une fois que le départ est donné, toute la nervosité tombe après. Là, après, on n'est plus nerveux. Mais avant le départ, sur une fausse grille, là, c'est toujours un peu énervant. On a hâte que ça commence.
On a hâte d'être dans le feu de l'action, d'être concentré. Et après, ben, tout s'estompe, nervosité. Tout devient calme. Mais avant la course, sur une fausse grille, on ne peut pas rien faire. On, il faut juste attendre. Puis moi, attendre, j'aime pas ça. C'est bon, ça. Amuse-toi bien, Paul. Ouais, merci, les gars. Vert. C'est bon, Paul, reste concentré, on a 30 minutes à faire, ça va bien. C'est présentement quatrième. Four. Quatrième place. Hein? Renflez pas! On va t'en bien se tourner! Qu'est-ce que c'est? Il vit là, le forge dans la panne! Ah! Encore! Anticipe! Ouais, j'ai entendu! C'est quoi? Il a rêvé trop haut? D'après moi, il a trop rêvé. Il a over-rêvé. I blew the second engine of today. It's the first time that I blew an engine in the second of today. It's bad, but I got fun. A few laps, I got very fun. But it's bad to blow some engine like this. So are you going to be able to fix the car tonight? Maybe. I talked with my crew chief and maybe I will rebuild the new engine for tomorrow. We're going to check, but we don't know for now. But we're going to be working hard tonight to rebuild the engine for tomorrow. Continental is a German-based company that has been making individual mobility safer, more comfortable, much more efficient since 1871. Actually, Continental is not only about tires. In fact, we are amongst the top 5 automotive suppliers engineering and developing systems in and around your vehicle, such as airbag systems, tire pressure monitor systems, blind spot detection, and many, many more. We're a company with 155,000 employees worldwide, and we're represented in 45 countries in the world. But one thing never changes for us. We care most about the safety of the individual, and we're absolutely passionate about our performance. And now, after 140 years of engineering and development, we are ready to bring all this technology and manpower into motorsport. Honnêtement, je vous dirais, je suis pas mal certain que mon auto va être prête parce que je connais mes trois mécanos qui travaillent activement sur la voiture et ils livrent toujours la marchandise, tout le temps. Rebonjour. Carl, good to go? Yeah. Pas tout à fait encore. Il reste 2-3 ajustements. Ça s'appelle le jour de la marmotte. Le jour de la marmotte. Johnny, did you sleep last night? Comment? Guillaume, on va donner combien? To sleep? Two hours. Three. 3 heures, 2 heures. Ready to race. On l'amène à votre game? Ouais. On y va. Amuse ton bain, encore. Ah, merci. Merci, Johnny. C'est toi qui fais tout le travail puis c'est lui qui a tout le plaisir. Ah non, pas à tout. C'est un gars qui partage beaucoup. Puis dans le fond, je suis gâté vraiment ailleurs. Puis même à Icar, je vais courser avec le véhicule gratuitement. Là. Parce que c'est des échanges de services puis il est vraiment smart avec moi. Il s'occupe de moi comme si j'étais son gars. Fait que je peux pas ne pas aimer ça puis avoir du fun. C'est impossible. Amuse-toi bien. Merci, Johnny. Merci bien. 1 minute. Le power steering marche pas. Le char est après arrêté.
Non, rien de parti. Vert. Ah, le son marche pas bien. Mauvais contact, tout est arrêté dans le char. Je vais l'arrêter, elle va essayer de repartir. Sors tout de suite, sors tout de suite. Light now, sors. Oui, sors, il y a eu un accident, fait que tu vas pouvoir sortir, on va vérifier, voir qu'est-ce qui se passe vite. Ouais, d'après moi, c'est à cause que l'alternateur a mangé ben gros d'huile dessus, hein, quand que ça a pété, hein. D'après moi, l'alternateur a brûlé aussi, puis la batterie s'est vidée, là. Non, ça ressemble pas mal à ça, l'alternateur, j'ai vu. Ben, c'est en plein ça, la batterie est tombée sur le cul. Fait que ça va avoir été court et touchant. Ce matin, l'alternateur chargeait, mais là, d'après moi, il a rendu l'âme. C'est que, il a fait ses tours de chauffe sur la batterie. Il n'y a plus de courant. La course est terminée. Il est parti pour l'attention. Non, du tout. Tout va bien. Il dit qu'il s'est assis à l'ombre et il regarde les courses. Est-ce que tu pensais que tu travaillais tellement fort que tu n'as pas de résultat? Non, ça, c'est un peu hasard. L'alternateur. On a pris un guess, on a essayé de foncer pour être présent. Ça n'a pas fonctionné, on va s'en reprendre au prochain week-end, c'est tout. Je peux dire qu'au-delà de tout ça, au-delà de tous les inconvénients qu'on a eus, au-delà de tous les bad luck qu'on a eus, l'acharnement qu'on a mis sur l'auto, je pense qu'au-delà de tout ça, on a eu beaucoup de plaisir. On s'est bien amusé. J'ai réussi à sortir de mon environnement de travail, de sortir de mon stress du quotidien et d'arriver ici dans cet espace-là que j'adore, où on sent l'odeur des pneus, on sent l'odeur du pétrole, on entend le bruit des moteurs que j'aime, et de voir tous mes parents et amis et de les voir les côtoyer, ça c'est adorable. J'ai vraiment trippé. C'est sûr qu'il y a eu des bad luck au niveau de l'auto, c'est sûr qu'on a eu des inconvénients. On a lutté contre le moteur, on s'est battu contre ça, puis ça n'a pas fonctionné. Mais quand même, j'ai réussi à avoir du plaisir. Donc,